Bonjour, c'est Patricia d'Ambral Liberté. Nous sommes début mai, le potager s'est réveillé. Des petites grappes de groseille apparaissent. Le mûrier se couvre de fleurs. Le mûrier framboisier forme ses petites baies. Tout comme les fraisiers, qui sont magnifiques. Le persil commence à pousser, les oignons blancs sont prêts à être consommés. Et la coriandre embaume déjà. Les premiers radis ont été croqués. Si, mais... Je sors mes tomates tous les jours pendant quelques heures pour les acclimater doucement à l'extérieur. J'installe également la serre sur la terrasse. Je la ferme tous les soirs ou en cas de mauvais temps. Les petits légumes sont bien protégés. Aujourd'hui, nous allons chez des amis. Je regroupe tous les plants de tomates qu'il me reste et un pot de chaque variété de légumes. Ils vont aller s'installer dans ce beau jardin. C'est un vrai plaisir d'échanger nos semis. Je repars avec les 6 pots rangés à droite dans ma serre. Ce sont des poivrons hongrois. Les tomates et le reste des légumes prennent leur quartier de printemps dans le potager. Ils resteront sous la serre, que je découvre tous les matins, pendant une quinzaine de jours. Les deux pieds de rhubarbe sont magnifiques. Je vais pouvoir les couper et en faire de délicieuses tartes.
À l'ombre du mûrier en fleurs, le bac se remplit doucement. La coriandre, le persil et la roquette sont bien sortis. La feuille de chêne blonde est prête à être consommée. Tandis que la rouge s'épanouit au milieu de ma réserve de cosmos. Il est temps de tuturer les quelques pieds de petits pois qui sont sortis. Mais c'est le grand jour. Les tomates ont bien poussé sous la serre. Les feuilles sont un peu jaunies par le soleil, mais ce n'est pas bien grave. Elles en feront d'autres. Je décide de la place de chaque variété et c'est parti pour les plantations. Je couche le pied de tomate et j'enterre la tige au maximum pour lui permettre de faire d'autres petites racines tout le long. Après l'arrosage, je tasse bien la terre tout autour jusqu'aux premières feuilles. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser régulièrement et à s'armer de patience. Les quatre pieds de tomates cerises roses prennent place au milieu des oignons. Et six autres pieds étreignent la nouvelle annexe du potager. En attendant l'éclosion des roses, les cétoines se régalent du pollen des fleurs d'hortensia. L'arbuste en est littéralement recouvert. Mai, il est temps pour les petits légumes de sortir de leur serre. Je les place en fonction de l'espace dont ils vont avoir besoin pour se développer. À peu près 50 cm dans tous les sens pour les aubergines et les poivrons.
1 mètre pour les courgettes et les concombres et 1,50 m pour les pâtissons et les potimarrons. Pour les protéger de la gourmandise des escargots et de leurs cousines les limaces, je construis un remblai de sable tout autour. Dans l'annexe, j'entoure chaque plant de légumes par de la pouzzolane, puis du sable. Au bout de 5 plants, ma boîte de pouzzolane à 11 euros est vide. Pour le reste des légumes, j'utilise uniquement du sable. Je vais surveiller de près pendant les semaines à venir et je verrai si le système est efficace. Everything I touch will break. And every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Oh, 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 oh. Everything, everything, everything you've done is great. But your back has been feeling exhausted. 31 mai. Les fraisiers nous offrent quelques fraises à déguster tous les jours. Les tomates se sont bien enracinées et ont pris quelques centimètres. Les concombres prennent leurs aises au pied du grand mûrier. Et comment se portent nos courageux petits soldats derrière leurs murailles de sable? Il y a eu quelques attaques. Nous avons rajouté plus de sable. Mon potager prend des airs de jardin des dunes. Mais la plupart des légumes se portent bien. Et c'est l'essentiel. Cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous en juillet-août pour partager avec vous l'évolution de mon potager bio. En attendant, je vous souhaite un très bel été à tous. Ciao !